clavier de l'Oratoire du Louvre qui permet de jouer quasiment toute la musique. D'ailleurs, vous allez nous faire un concert pour le festival que vous avez intitulé en sous-titre « Toutes les possibilités, toutes les couleurs de l'orgue de l'Oratoire ». C'est un instrument qui, de par son histoire et de par sa composition, permet l'apprentissage un peu de tous les styles, de tous les genres, de toutes les époques. Ce répertoire permettra de retracer tous les siècles de musique qui fonctionnent admirablement sur cet instrument, des grands maîtres français du XVIe-XVIIe siècle jusqu'aux auteurs les plus actuels. Ça permettra d'entendre des mélanges parfois que l'on n'entend pas forcément sur d'autres instruments qui fonctionnent ici, à l'Oratoire. On pourra également entendre de la littérature plus romantique qui n'est pas forcément si habituelle sur des instruments de cette esthétique-là mais qui sonne particulièrement bien ici de par, une fois de plus, encore l'histoire de l'instrument. C'est vraiment un instrument surprenant. Multiples, et je pense que ceux qui viendront l'écouter seront particulièrement intéressés de le découvrir.